bientôt l'heure de manger. Je commence à avoir un tout petit creux. Bon, si je pouvais me mettre un petit lemming sous le bec, croyez-moi, je ne dirais pas non. Mais c'est drôle, je n'arrive pas à en trouver. Tayara a promis de nous raconter une histoire de fantômes ce soir. Oh, de fantômes? Oui, une histoire qui va nous faire très peur. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait le terrier d'un lemming. Oui, mais il est vide. Est-ce que quelqu'un a parlé de lemming? Oh, il n'y a rien de plus délicieux qu'un jeune lemming de printemps. Pour un harfang des neiges, peut-être. Est-ce que tu t'adresses à moi? Vous avez vu ce qui est arrivé au buisson? Pas une seule feuille. Et l'écorce est toute rongée. Tu sais, je pense savoir qui a fait ça. Les lemmings. Oui, à cette époque de l'année, ils aménagent de nouveaux nids. Où personne ne pourra venir les surprendre. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Allons-y, Kimik. Tayara va raconter son histoire et je ne vais pas rater le début. Dansons pas! Ça suffit! Il dit vrai! Nous dansons jamais! Enfin, nous dansons de temps en temps! Ouh! Arrêtez, voyons! Mais là, nous ne sommes pas en train de danser! Très bien, mais si vous n'êtes pas en train de danser, qu'est-ce que vous faites alors? Nous sommes occupés! Ouch! Occupés à résoudre un problème! Mais quel genre de problème? Ça ne concerne que les bœufs musqués! Tu ne comprendrais pas! Hé, arrêtez, ce n'est pas drôle. Ces bœufs sont de plus en plus bizarres. Écoutez, c'est assez. Oui. Ah. On se fiche pas mal que vous deviez aménager votre nid. Hé, on vous interdit de nous prendre notre fourrure. Oh. Ah. Ce soir... je vais vous raconter une histoire très ancienne. Une histoire qui parle du monde des esprits. Comment ces esprits vinrent dans un village un peu comme celui-ci. Ne t'inquiète pas, Panique. Ce n'est qu'une histoire, voyons. C'est par une belle soirée qui me rappelle celle-ci que les esprits qui avaient jadis habité cette terre s'éveillèrent. Les esprits n'avaient pas foulé ce sol depuis fort longtemps. Et ils avaient décidé de renaître. Pour une seule nuit. Écoute-moi, Panique. Si tu as trop peur, on peut rentrer dans la tente. Non, je n'ai pas peur. Tu as l'air fatiguée. Je suis pas fatiguée. Les fantômes voulaient prendre part à une dernière chasse. Ils s'emparèrent donc de leur harpon et se mirent à sillonner le ciel sur leurs traîneaux, tirés par des chiens vautours. Oh, des chiens fantômes! Une fois arrivés au village, les esprits se posèrent sur les tentes et se mirent à gratter le toit avec leurs harpons, afin d'effrayer les villageois qui dormaient. Ne t'inquiète pas surtout. Je suis sûre que les esprits ne t'apporteront que de bonnes choses ce soir. Oh, oh lemming. Oh, tu es tellement mignon. Tu cherches un nouveau nid, n'est-ce pas? Eh bien, ça y est, tu en as trouvé un.
Tu n'as pas un peu faim? Une fois la chasse terminée, les esprits s'en allèrent comme ils étaient venus. Quant aux gens qui avaient fui leur tente, jamais on ne les revit. Ils avaient disparu. À jamais. Merci, Tayara. C'était très intéressant. Alors, est-ce que tu as aimé mon histoire? Oui, beaucoup. Mais dis-moi, tu n'as pas eu trop peur? Non, pas vraiment. Inouk, tu sais, tu devrais prendre ce genre de choses un peu plus au sérieux. Il arrive très souvent que les esprits s'annoncent à nous en faisant des bruits étranges, exactement comme dans mon histoire. Regardez! Chut, elle dort. Eh, vous avez vu, j'ai un petit lemming. Oui, et je vois que tu l'as déjà adopté. Je peux le garder, s'il vous plaît? Non, tu ne peux pas. Mais c'est le printemps et tous les lemmings se fabriquent de nouveaux nids. Et celui-là aimerait tellement faire son nid ici. Il peut rester, s'il vous plaît. Je vous promets de bien m'occuper de lui. Tu connais le règlement. On ne garde pas d'animaux dans la tente. Bon, c'est entendu. Il peut rester ici ce soir. Mais... Voyons. Bon, mais demain matin, il devra s'en aller. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ce sont les esprits. J'ai entendu quelque chose. Non, j'ai sûrement rêvé. De drôles de choses ici. Chut. Ne réveille pas panique. Quand est-ce que vous allez arrêter votre manège? Mais où est Opique? Il n'est jamais là quand on a besoin de lui. Alors, vous aussi, vous avez entendu les esprits se promener cette nuit? Oui, j'ai entendu toute la nuit. Nous ferions bien de nous assurer que personne n'a été emporté par les esprits. S'il vous plaît, arrêtez, que personne ne bouge. 2, 3, 4, 5, 6... Oh non! Mais c'est affreux! Nous ne sommes pas tous là! Il manque 4 personnes! Nous ne sommes pas tous là! Atana, Akunaki, Inouk et Panic! C'est horrible! Il y en a partout! Je n'ai jamais rien vu de pareil de ma vie! Que vous arrive-t-il? Les esprits sont-ils venus aussi vous rendre visite? Non. Les esprits? À vrai dire, pas vraiment, non. Tenez, venez voir. Il y en a plusieurs, hein. Est-ce que je peux les garder? S'il te plaît, maman, ils sont tellement mignons.
Mais voyons, Panique, tu connais déjà la réponse. Les animaux sont interdits dans la tente. Je suis désolée, Panique. Tu ne peux vraiment pas les garder ici. Mais pourquoi pas? Je vous promets que je m'en occuperai très bien. Ils ne seraient pas heureux ici. Leur place est à l'extérieur, là-bas, dans la plaine. Ils ne survivraient pas s'ils restaient avec nous. Tu le sais bien, Panique. Je le sais, oui. Les lémings ne sont pas des animaux de compagnie. J'ai si faim que je pourrais manger un bœuf musqué. Mais où sont donc passés les lémings?